Bonsoir et bienvenue sur Mon Financier pour faire un point à la clôture. La victoire de Syriza, oui, et alors répondent les marchés. Elle ne provoque pas l'onde de choc tant attendue par les marchés puisque ce scénario était déjà intégré. Ainsi, le CAC 40 prend 0,74% à la clôture pour terminer à 4675 points. L'amortisseur s'appelle la BCE avec son programme massif d'assouplissement quantitatif, mais aussi de bonnes nouvelles venues d'Allemagne puisque l'indice IFO est sorti meilleur qu'attendu à 106,7 points. Du côté des valeurs, Bouygues, mais aussi Capgemini et LVMH sont le trio gagnant du jour. Airbus, ce groupe, prend 1,75% à 50,14 €, profite toujours de la faiblesse de l'euro par rapport au dollar. Tout roule également pour Valeo qui prend 1,14% à 124,40 €. Exane BNP Paribas ayant relevé son conseil à neutre et également son objectif de cours à 135 €. En revanche, Saint-Gobain termine en légère baisse sur le CAC et hors CAC Tarkett. Mais aussi Genfleet bondissent sans actualité particulière. Sur le marché des changes, l'euro bénéficie de rachats à bon compte et progresse de 0,65% à 1,1279 face au dollar après être tombé à un plus bas de plus de 11 ans face au dollar. Sur le front de l'or noir, le WTI rebondit également et reprend 0,71% pour se négocier à $45.67. Et pour terminer, le Brent termine en légère baisse de 0,04 pour se négocier à $48.53. Voilà pour cette clôture, restez avec nous sur Mon Financier.